Salut YouTube, c'est Iris, ton youtubeur et streamer préféré. Nouvelle vidéo aujourd'hui, la suite du guide rise. Je ne suis toujours pas en live évidemment, comme je te l'avais dit. Je suis la veille de mon rush center de solo queue sur League of Legends qui a été fait, qui est encore en cours au moment où la vidéo sort. Je crois qu'on est mardi, mercredi peut-être pour celle-là. Mais dans tous les cas, j'espère que le premier guide rise t'a plu. Je suis évidemment avec mon ami GetSlide, master 100 LP. Si cette vidéo te plaît, tu as évidemment tous les réseaux de GetSlide dans la description, si tu veux lui poser des questions, si tu as des précisions à lui demander, etc. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, je sors des nouveaux stuff sur les champions, tous les champions de LoL, quasiment tous les jours. Il y a des nouveautés avec des GM, des chals, moi aussi, des fois, de temps en temps, tout seul. Des petits trucs fun, des concepts cool, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aidera. Bon courage dans ton grind avec Ryze, qui est un des champions les moins forts, je crois, TM en mid lane. Mais j'espère évidemment que ça te plaira. Laisse un petit like, un petit commentaire et évidemment rejoins-nous sur Twitch. Bon, aujourd'hui, voilà, il n'y a personne, c'est calme, mais d'habitude, tu peux venir poser tes questions en live, tu auras les vidéos en avance. Tu peux aussi nous rejoindre sur Discord, on a un serveur Minecraft chill, survie, où on survit tous ensemble, on est une cinquantaine. On a des tournois ouverts à tous sur League of Legends et évidemment le service de coaching totalement gratuit. A bientôt BG, bonne aventure, merci de suivre mes aventures, pas bonne aventure, mais merci à toi de suivre mes aventures, je te fais des gros bisous. Moi je me fais rire tout seul, c'est une catastrophe. Bah écoute, je suis très content de tourner ce guide rise, ça me fait super plaisir, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Et on espère avoir un petit Heraldomite pour que tu puisses lui mettre un giga R, ça me ferait plaisir. Tiens, moi j'aimerais bien aussi, mais ils aiment pas trop mettre des Heralds sur rise malheureusement. C'est dommage en vrai. Champion, ouais, bah, en même temps le champion a pas beaucoup une popularité, j'ai pas cru. Très bonne popularité en ce moment, donc... Le plus dur, c'est les 6 premiers creeps, quoi, donc tu ferais un... Voilà, ouais, c'est un peu chaud, surtout que là, ils jouent Comet, donc c'est pas très dodgeable. On sera un peu outspace, mais on va pas trop y faire grand-chose, malheureusement. Ah, j'avoue, c'est pénible, là. J'avoue que là, t'as pas... Après, si tu te laisses push... Ah, mais il pourra te niquer sous tour, pareil. Putain, j'avoue, ouais, c'est chiant. Il a pas... jamais fait le match-up, hein, pourtant, mais... En vrai, son champion, il est giga chiant contre toi, ouais. Putain. Ah, tout ce que tu peux faire, c'est là au début, là t'as pas la laning phase, enfin ça c'est chiant pour Ryze, je pense. Du coup, ouais, tout ce qui est Xerath et tout, c'est pénible, je suppose. Ouais, Xerath, c'est vraiment pas ouf, faut tomber compte. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y en a pas du tout en ce moment. Vex, c'est chiant. Vex, ça va, Vex, parce que t'as pas encore autant de range qu'un Varus, qu'un Xerath. Ok. Il a sûrement dû mettre une ward vers là, je pense, c'est comment il a bougé. Ok, par contre, ce qui est bien, c'est Ryze, c'est très bien pour cette upgank. Et ouais, parce que alors là, il y a mon Viego. Très très safe. Je vais essayer de le flash, ça peut... On peut le tuer. Ouais, bien joué. Hein. Ouais, le point and click, c'est une dinguerie. Hein. Ah, il a pas mis son Q, c'est dommage. C'est pas grave, on lui met un gros chunk, il utilise ses deux sum. Après, il peut plus faire grand chose là. C'est pas mal, ouais, je me suis dit que t'allais flasher. Ouais, c'est dommage parce que Viego, Il aurait pu mettre une auto en plus, non? Ouais, il aurait pu mettre une petite auto, je pense, parce qu'il a peut-être loupé. Parce que même s'il mourait, vous preniez 600 gold sur ça, quoi. Ouais. Donc c'était rentable, mais bon. Alors, si il faut que je fasse gaffe à la belle bête, là, je peux très facilement faire rank. Il se fait invade, je compte directement l'aider. Ah, il va peut-être mourir. On peut la tuer, cependant, elle a pas. Elle a été sur. Il y a la botte qui est sur E en plus. Faut que je la cancel back si elle back là. Elle est là. Si t'arrives à la tuer, t'es royal. Ah, oh, j'ai mal joué. Elle a dodge, bien joué elle. Bon, c'est pas grave, c'est fait le shutdown sur Kessa. Elle aurait pas du flash, mais c'est pas grave. Elle a bien dodge mon Q. Ce qui est... Ah, c'est dur aussi avec Ryze, c'est que si tu loupes ton Q ou si on le dodge, ça commence à être très compliqué. Ouais. Le problème, c'est qu'on cachera. On pourra peut-être pas catcher cette bait vet. Ça a beaucoup de dash. Oh, putain, ah, quoique. Là, ça tue. Hein. Ok, ça tue pour Camille normalement. Je la stun. On prend pas le kill. En vrai, là, je suis pas obligé de prendre le kill parce que tout simplement, j'ai une Camille. Et un Viego de très bon carry. Ouais. Carry, c'est pas ce carry là, tu sais, pas la force d'un Victor, d'une Cidra qui pourra carry. En faut qu'il fasse gaffe bot là. C'est bien ce que t'as fait parce que du coup, en fait, c'est là où on voit le côté un plus support de Ryze en fait. Où ouais, tu dis, bon ouais, bah vas-y. Faut pas hésiter à give up des waves pour aider ta team. En tout cas, ça farm très bien, ça va rattraper le farm. Par contre, si ça va après en termes de farm et tout, t'es pas derrière, ça se voit que c'est facile de farm avec. Enfin, c'est facile entre guillemets. Ouais. C'est. Tu peux crash. Ah merde, dommage. Ah, il prend doublé là, ça va pas être cool. Ouais, tu vas pas t'amuser. Hein. Mm. Bon, tu peux vraiment profiter. Lui, je peux en profiter, lui, par contre. On l'a vu là, le Q que t'as mis sur Kessa. Il a fait une très grosse erreur, il a pris des bots avec Draven, c'est vraiment pas ouf. Ouais, faut il a pas beaucoup de dégâts.
Alors qu'il devrait vraiment en avoir beaucoup plus. Comme je vais te montrer si... c'est proc le phase rush. C'est sûr que c'est pas proc. Ah, c'est my bad. Ah là, c'est my bad. Désolé, je sais pas pourquoi j'ai des... Du coup, j'étais pas concentré. T'inquiète. Mais, ouais. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. C'est pas une... Il cash out, mais bon. Ça va, ça va. Bon là, par contre, j'ai le chapitre perdu, ça devrait être mieux pour la phase de lane. Dans leur game, tu vois, ça, ils vont se dire, bon, ben, je ferai gaffe, je vais pas faire ça, hop, contre une belle bête, je sais qu'il faut faire ça. Je sais que le Q, il est difficile à placer. Voilà, après, t'es pas concentré, te stresse pas ou quoi, hein, je pense que tu connais ma commu, des gens qui regardent mes vidéos, ils sont pas là pour te juger. Là, ouais, t'as utilisé ton... Très bien joué. T'as utilisé ton ulti, tu t'es placé directement pour... Directement, faut pas hésiter, en fait, dès que tu vois, il y a un fight, dès que t'es en range, tu erres. Tu vois, c'est ce que je te dis. Ok, t'as fait deux mauvais moves, mais t'as fait deux très bons après. Tu vois, celui-là est bon. C'est un très bon move. Là, faut pas qu'il meure en vrai. S'il meurt pas, ça devrait être fine. Ouais, voilà, ça va. Là, c'était un très bon move, tu vois. Donc, c'est super intéressant. Faut vraiment pas que tu te stresses pas, t'excuses pas ou quoi. Vraiment, même dans les commentaires. Okay, t'inquiète. Dans les commentaires, ils vont te le dire. Ils s'en foutent, tu vois. On n'est pas là pour ça. Le but, c'est d'apprendre le champion et de comprendre comment ses mécaniques et comment il marche. Bon, par contre, t'as un peu les Avengers sur toi tout le temps. Relou. Ouais, t'es obligé de flash out. Ouais, normal. Ok, oh t'as... Oh la stopwatch de seigneur. Oh là là. Oh. Mais arrête de dire que t'es nul. Je t'en supplie. C'est la dernière fois que je veux l'entendre. Non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je peux te montrer que les Warpost on a beaucoup de dégâts. Ouais, là si j'ai vu qu'elle a un stun. Si t'arrives à le stun, ouais il est... Le fait qu'il soit point and click et que tu puisses mettre ton E en zone et tes marques, c'est quand même pas si difficile à placer le stun. Ouais, ça va, non, c'est le stun et simple, c'est juste la range qui est le problème. Et on voit que tu spams tes sorts et que tu perds pas beaucoup de mana quand même. Ouais, là c'est pas la tire commence à être chargée, on a 225 mana en plus. La tire de base ça fait 360, donc on tourne déjà autour des quasiment 600 de mana là. Donc ça va très vite le mana avec Raze. Et là en plus on a eu le mana aussi de l'Everfrost. Là on commence vraiment à avoir beaucoup de mana et qui dit beaucoup de mana dit beaucoup de dégâts sur Raze aussi. Là j'ai pas beaucoup de vision, je vais essayer de mettre la vision vers Drake. Toujours essayer du coup de faire des petites rotates, de la vision pour la team. Ouais, un rôle un peu de support au final tu vois. Que ce que tu disais c'est un rôle un peu plus... Après bon ça tous les midlaners le font tu vois mais... Niveau CSing et tout, bon voilà t'as pas un... Mais bon t'as beaucoup ROM aussi. T'as beaucoup ROM, il y a eu beaucoup de gants, il y a eu beaucoup d'action dans cette game, donc tu peux pas vraiment avoir 10 CS minutes. Ce qui est bien avec Ryze aussi, c'est que tu peux vraiment split. Tu peux jouer sur les sides. Ouais, et même surtout que les... Bon, c'est un peu chiant en lane, mais... Les CS, tu les rattrapes très vite en late game, de toute façon. On voit que c'est plus trop une galère, au final, le Verus contre toi. Hein. Là, c'est plus... C'est ouais, même plus trop. Il poke beaucoup. En vrai, je pense que... Le problème, c'est qu'on laisse... les rats d'Apelvet, on devrait le contest avec Camille, si elle y est dessus. Il faudrait qu'elle prenne l'info, ok. Ah, ça va être compliqué, hein. Ah, ok, bon, là, elle m'a bait un peu, mais c'est pas grave. Elle perd un peu le R pour rien, mais... Elle a, en fait, elle a, le problème, c'est qu'elle a E. Ouais. Et ensuite... Elle a E out, partie, en fait. Donc, ouais. Il y a pareil, ce qui va venir, on prend une petite plate. Ah ouais, l'Everfrost. Ça touche. Mais voilà, phase rush et tout, tu peux vraiment... Ouais, bah, wow, putain. Bon, le problème, c'est que le R m'a touché. Bon, au moins, ça tue vote. Ah, je pense que là, il faut pas que tu joues avec ta Camille, malheureusement. J'ai l'impression qu'elle est... Oh, bien joué. Ah, la Camille est mauvaise. Ça tilte vite, c'était lourd, my bad. Bon, au moins, là, c'est... Ouais, au moins, elle a dit my bad. Elle a dit my bad. En général, ils disent même pas my bad. Ouais, ils insultent le jungler, en général. Là, par contre, là, elle fait de la merde, déjà. Ouais. Là, elle est complètement over... Bah, elle est merci. Donc, bon, là, j'avoue que si je peux avoir le kill... Je t'aime bien Kaïsa, mais quand même... Normal, hein. Par contre, le temps de stun, gros, ça rend fou. Ah ouais, je te jure, ça c'est horrible. Hein. Et surtout que Dictor c'était encore pire avec l'approche de l'hiver parce que t'avais encore plus, c'était plus en stuff CDR donc t'avais encore plus de stun. Ah, je te jure, je me suis déjà fait ajouter ma mère parce que le mec, je le rotate CC en boucle. Hein. Mais là, tu vois, le truc c'est que t'as fait un early qui est spécial. Il était bizarre à l'early de la game, mais au final, t'as fait des bons moves, t'es déjà en 4-4, ce qui est pas mal avec Ryze. Bon, elle est mal. Mais tu te demandes si on est en master, tu vois, ça qui me fait peur. Ah, je te jure, c'est. Après là, je viens de remonter master à l'instant. Donc je suis master 1 LP, donc c'est plus du diamant je pense, mais... Bon, après ça qu'elle a un shutdown. Ouais, là tu slow. Ouais, je suis assez safe en vrai, là, de lui, normalement. Tu pourrais lui mettre quelques spells, non?
Il a tenté un Q. Je vais... Ouais, là, je prends que le phase rush. Je suis obligé de flash in. Ok. Bon, la game, elle va pas être facile. Tu peux quand même encore la gagner, tu penses ou pas? Ah ouais, je peux, ouais, parce que... Parce que lui, il fait vraiment n'importe quoi, je le stun. Ah, t'as super bien joué, là, ouais, bien joué. Wouah, dinguerie. Ah, lui, il se fout un peu de la gueule du monde. Ouais, un peu. Après, ce qui est bien, c'est qu'avec la méta shutdown et tout, toutes les games sont winnable. Hein. Pas toutes, en vrai, mais la plupart. Enfin, genre, tu l'as bien baisé, quand même. Ça fait 2-3 fois que tu les baisses bien avec ton Ryze. Ah, si, oubliez pas de prendre... La blue trinket. La blue ward, hein. Okay. C'est bon. Là, ce qui est bien, c'est que je vais aller side. Je vais aller side parce que la Camille n'arrive pas à tenir contre Aatrox. Aatrox qui a beaucoup rush d'armure. Bah, moi, tu vois, j'ai de la paix. Je peux le tenir facilement. J'ai pas mon R, si elle mort, j'aurais pu me TP derrière lui, ça aurait été très bien. Parce que du coup, là, il va le prendre. À partie, j'arrive. Après, le stun pontain click fait tellement mal. Et là, on le voit. Hein. On le voit, là, tu fais tellement chier. Et ouais, les sorts sont assez efficaces à placer, donc... Ouais, là, je suis très très bien, en vrai, là. Là, par contre, faudrait qu'elle prenne la wave, je sais pas pourquoi elle m'a demandé de l'aide, je vais l'aider, mais... Bon, par contre, ils sont à l'érable, là, faut qu'elle fasse gaffe. Qu'est-ce que tu fais chier, quel enfer. Mais attends, mais elle est mispoise, elle. Ah, ok. Mais elle se fout de notre gueule, elle. Ah, elle se fout de la gueule du monde. Elle se fout de notre gueule. Non, mais je te demande, hein, je te pose la question. Ah, elle se fout de notre gueule. Là, du coup, tu vas tempo la Belvette. Putain, les dégâts que tu colles, par contre, c'est une dinguerie. Et là, regarde, le Viego, il vient avec moi. Et l'un derrière eux, là. Oh, le banger. Ah, putain. Dommage, le Viego, en fait, le problème, c'est que Viego est mort juste avant, du coup, il lui a donné le triomphe. C'est un peu dommage en vrai parce qu'il a, je sais pas si t'as vu, mais il a Z-Flash la Belvette. Alors qu'il aurait dû tuer le Aatrox. Aatrox était stun, tu vois. Et ouais. J'aurais pu juste, on peut juste te tuer. Ouais, il a. Parce que ça, le problème avec Ryze, c'est que tu peux pas forcément carry, tu dois, franchement, tes mates doivent s'adapter un peu à toi, tu vois. Et vous avez pas eu le même focus, ça vous a baisé quoi. Ouais, c'est un peu. Parce que moi, je pouvais pas la reach la Belvette après si elle flashait, mais j'avais plus de CD. Mais ce qui est bien aussi avec Ryze, c'est que je peux apporter facilement un kill comme tu vois et... Ah là, tu restes caché exprès et, pour... Je peux pas trop lui. Ok. Le tempo, j'attends que mes mates arrivent. Bah lui, il est mort, non? Tu pouvais pas le 1v1? Non, ouais, c'est un peu compliqué parce que voilà, il a son exos. Ah, il a bien joué. Il a son flash, son exos, je pouvais pas le 1v1 encore. Faut jouer très slow avec Ryze, faut récupérer ses CD, jouer avec ton phase rush. Ok. Ah, c'est dur quand même. Exhaust. Ok. Ouais, en vrai, là, il perd son flash et son exhaust. Moi, j'ai ma TP dans 26 secondes. On peut faire un truc dans 20 secondes, là. Entre, faut lâcher la tour. Ah, il y a les petites merdes de Belvette. Ah, les petites merdes de Belvette, c'est chiant. C'est vraiment chiant, ouais. De ouf. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, il a pris le groupe. On maximise les ressources. J'ai une bonne ward, là, en vrai, pour TP. Hein. Je pense qu'on peut faire un truc, hein. La Karma est morte, j'avais pas vu. C'est pas ouf, alors. Ah, la game elle est super intéressante. C'est sûr que voilà, tu brilles pas, mais. Enfin, tu brilles pas. TP, on peut faire un truc. Y'a pas de Raven. Faut qu'il y ait une Nega par contre. Hein. Okay. Ah, belle lutte sur moi. Ah, mais pas. Ah, putain. Mais en fait, faut vraiment qu'ils engagent pour moi parce que je peux pas engager tout seul. Enfin, c'est un peu une erreur de my bad. C'est un peu my bad et c'est un peu de leur bad. C'est bah, après, ça se tentait quoi. Ça se tentait, ouais, mais bon, après, c'est le problème de la solo queue, c'est que t'es solo quoi. Franchement, par contre, c'est un bon perso de team Ryze. Hein. Franchement, c'est un très bon perso de team. Tu vois, si carrément ils avançaient et Camille faisait un E dans le tas, ils étaient là, ils avaient pas la vision, je mettais un Everfrost et c'était fin de game. Hein. C'est dommage, putain. Ouais, c'est dommage. Après, l'idée est bonne, après, on voit un peu ce que tu peux faire avec Ryze. Après, tu sais, les games parfaites, c'est. Surtout qu'on on a dit, Ryze, c'est compliqué comme champion. Et on le voit, et c'est là où on le voit quand solo queue, c'est compliqué quoi. Et même ils peuvent faire le Nash. Tu pourrais pas aller sur les sides là récupérer des golds? Bah en vrai c'est ce que je veux faire, mais en même temps faut que je joue avec ma team. On peut le tuer lui par contre. Tu lui mets des gros dégâts quand même à la Belvette, hein. Faut la tuer. Ouais après, ouais putain. Ok j'ai dodge. Ok. Ils l'ont tué la Belvette, c'est bon? Ouais ils l'ont tué. Faudrait pas qu'on laisse le drake hein les gars en vrai. Hein. Ah, ils ont du mal à comprendre tes intentions, c'est compliqué. Ah, ça y est, je crois qu'ils arrivent. Ah, le problème, c'est que j'ai peur que. Non, c'est bon, ça va être fun. J'essaie de leur faire perdre un peu de temps. Là, on voit quand même le petit Tecta de. Tu mets quand même de la. Tu me t'en mets de la pression. Oh, c'est tout ça.
Je pensais pas du tout ça toucher. Bah, bon, je pensais pas que ça touchait non plus. Ah, je pensais pas du tout ça toucher pour le coup. Ouais, il y en a un smite hein, sur Viego, hein. Ça peut le faire. Ok, ça c'est très bien, ça, ça one shot. Ouais, c'est bon, il a les reset, ça va partir. Ce qui est bien, c'est que tu vois, il a du stuff anti-crit. Il peut tuer facilement le Aatrox. Nice. Faut tous focus. C'est bon, c'est bon. Ouais. Ah ouais, il va mourir. C'est bon, fine. Allez, coup. Il est mort à Death Dance. Allez, on va pas la win. Elle est winnable la game. Là, ce qui est bien, c'est qu'Anialan, tu l'auras fait cancel le Drake, quoi. Ouais, parce que je pense qu'en vrai, c'est il l'aurait eu sinon, ouais. Ouais, je pense aussi. Par contre, non, là faut pas qu'il donne le Drake pour un kill. Oh, tellement dommage. Après, c'est un Ashor, ouais. Un Drake pour un Ashor, vous avez full ace. La Camille revient. Ça, mais je pense qu'on aurait pu tuer la Velvet dans tous les cas. Toi là, tu vas faire quoi? Tu vas aller au Nash ou tu vas juste. Non, là je prends la wave et je vais au Nash ensuite. Dans tous les cas, ils vont pas le compter, je pense pas. Oh là, c'est. Tu vas me voler ce qu'il y a le plus souvent, on sait jamais ce qui peut se passer en arrière de Raven. Bon, là, il se mispose la main, là, c'est une grosse erreur de sa part. Il y a une TP là, on a vu la Aatrox dans le fog. On peut lui couvrir après là. Donc, quelqu'un me suive. Il est peu mort, il est à back, tant pis. Là, faut vraiment pas mourir. Là, c'est un timing. Ouais, toi, tu vas pas tu vois. Ouais. On est très fort, on a des bons side laners. Genre Camille, elle bat Aatrox sans side. Et moi, je veux pas Varus sans side. Ouais, voilà, pas comme ça quoi. Ah, quoi qu'ils vont peut-être gagner, hein. Non, c'est tellement d'overstay à fond, c'est pas beau. C'est laid, hein. C'est pas beau, hein. Putain. Heureusement, tu peux pas leur dire, tu le ping, tu peux rien faire de plus, hein. Ah ouais. Ils vont pas chier au mid 2, du coup. Ouais, vous perdez 2 nashers sur ça, quoi. Là, en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai ma TP, donc je peux attendre. Là, je vais TP, ça va fight de fou. J'arrive. Ah, pourquoi ils veulent ce tour? Ils aiment trop la bagarre, ça, le problème. Ah, par contre, le temps de CC que tu mets, c'est pénible. Hein. Là, tu vois, tu tempo tes CD, ouais, je viens de voir. Ah, tu peux faire un catch, hein. Il est mort, lui. Hein. Il a flash in en plus. Bien joué. Et avec l'outil, ouais, tu peux faire. Ok, ouais, t'arrives derrière carrément. Là, c'est bon. Ah, c'est une dinguerie, là, tu viens de mettre une dinguerie. Hein. Ouais, là, c'est let's go. C'est quelques petits moves que tu peux faire avec l'outil de Ryze. Ouais, c'est ce qu'on disait là. C'est dommage. On a qui sous-estiment l'ulti, c'est vraiment. On a pas montré dommage à un moment où t'aurais pu faire pareil avec la botlane en early game, tu sais, quand tu erres derrière la botlane et un peu comme l'ulti Panthéon dans le guide Panthéon qu'on avait fait. Qu'est-ce que tu les fais chier, gros, c'est pénible ton champion. Everfrost, stun, Everfrost. Bon, là par contre. Ok, Zhonya. Oh, t'as trouvé joué. Tu peux le stun. Let's go. On peut finir la game là. On peut finir vraiment la game. Bah, au final, t'es mort beaucoup de fois. T'es mort beaucoup de fois, mais j'imagine que dans d'autres games où tu meurs pas, dans d'autres games où tu fais pareil, mais tu meurs pas. Ça déroule. Et là, je pense que toi, de toute façon, j'ai vu ton stuff filia, t'as ton cœur gelé, donc je vais le faire pour toi en plus. Je kiffe, moi, c'est un thème que je kiffe, cœur gelé, bien sûr. Dans tout cas, j'avais prévu de le faire dans la game. Bah, moi, tu vois, ma Lilia, ça joue un peu dans l'idée de ton Ryze, tu vois. Ou vraiment, je peux tabasser, parce que tu quand même mets quand même des dégâts. Et j'ai ce côté un peu teamplay où je vais pas mourir, je vais tempo des fights, etc. Mais t'as ce côté aussi très, vraiment, qui est très ressemblant à Ryze, c'est que tu tempo tes CD, tu les rends fous un peu. Et tu peux les zoner en fait, t'as ce ride où tu peux vraiment zoner. Bah là, ouais, dommage, tu le rates. Ah, qu'est-ce que tu casses le phase rush qui ouais, le phase rush, ouais. Voilà, je vais mourir, mais bon, ils vont avoir le Drake. Ah ouais, c'est dommage que la Karma me. Tu vois, la Karma par exemple là. Bon, à la go, là, je sais pas trop pourquoi, mais et, tu vois, il m'aurait trust, elle m'aurait mis un shield, je serais pas mort par exemple. Ouais, là, je serais 100% pas mort, mais je sais pas, y a pas beaucoup de gens qui trust. Bon, là, en vrai, là, ce qui te manque, je pense, dans cette game, c'est quoi? C'est un follow-up de ta team pour en tout cas les 5 dernières morts, quoi. Non, je dirais en fait, c'est plus une compréhension de mon champion plutôt, parce qu'en fait, tellement de personnes jouent avec Ryze qu'ils savent pas ce qu'ils peuvent faire. Mais t'es bien, toi, en plus, t'as déjà 4 items par rapport à tes adversaires, t'es mieux, non? Que ton opposant. Je vais TP. Ouais, là, je suis très bien. Là, le Varus, il a 3 items. TP. Là. Il est mort, lui. Oh, le. R directement. Je passe derrière lui. Au cas où il veut se barrer. Il arrête de jouer et tout. La game, elle est finie, là. Bah, nice, hein. Après, là, tu vois, là, le dernier fight, par exemple, j'ai fait entre guillemets un bon fight parce que tu vois, on a tué 3 mecs grâce à moi. Mais tu vois, le fight, il part d'un 4 sur Belvet. Ouais. Donc franchement, heureusement qu'ils sont au catch à Velvet. Mais il y a encore Velvet en vie. Je peux pas trop la flasher elle parce que là sont eux qui réduisent les dégâts. Mais si elles sont eux, elle est morte. Ok, go.
La Jana, non? Ouais. Ah bah GG hein. Let's go. Non, c'est... Bah les gars, en vrai hein. T'es sur la moitié des kills quand même hein. Ouais, après ouais, ça c'est bien, t'as des kills partout. Non mais est-ce qu'on... De toute façon, en vrai, franchement, ça me dérangerait pas si tu joues pas sur une autre game ou quoi. Là, honnêtement, aujourd'hui, j'aurais pas le temps, mais je trouve que la game, elle est cool, moi. Ah, mais sur un autre moment, franchement... Ça me bah, on refait avec le nouveau stuff S13. Ok, bon, on va faire ça. Ça te va. Franchement, je me suis régalé. Dans les commentaires, vous nous dites ce que vous en pensez, les gars. Surtout que t'as fait des... Il y a eu des bons moves et tout. Hein. Hop là, petit screen. C'est cool. Non, en vrai, merci beaucoup, BG. Merci d'avoir pris le temps. Ouais, tu vois, j'ai... Bah, top 2 dégâts de ton équipe, dans les top dégâts de la game, alors que t'as pas une game qui était si facile, au final. Hein. We'll be right back.